Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtue, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'un petit glitch vraiment très très fun qui vous permettra tout simplement de faire spawn énormément de voitures de civils à un endroit très particulier. Donc c'est vraiment what the fuck. Vous allez voir que les voitures de civils vont spawn bizarrement. Vous allez même pouvoir ouvrir une concession de voitures, vous deviendrez un concessionnaire de voitures. Donc je sais que la blague est à chier, mais bon, c'est pas très grave. Donc pour réaliser ce petit glitch qui est vraiment très très fun et que je vous conseille de faire afin d'épater vos potes, vous allez tout simplement vous rendre au Los Santos Custom. Et en attendant qu'on arrive au Los Santos Custom, je vais tout simplement vous inviter à me rejoindre sur mon groupe Facebook, ma page Facebook et mon Facebook personnel. Donc tous les liens se trouveront dans la description. Et pourquoi pas me rejoindre sur Twitter et rejoindre la chaîne 100% course qui se trouvera dans la description et en annotation. Donc pour réaliser ce glitch, c'est vraiment très très simple. Il vous faudra tout simplement aller dans le parking du Los Santos Custom. Et une fois dans le parking du Los Santos Custom, vous allez faire en sorte d'avoir le plus de voitures de civils dans le parking. Donc pour nous, pour le moment, il y en a actuellement deux. Vous allez voir qu'après la manipulation, il va y en avoir à peu près une vingtaine. C'est juste énormissime. Donc pour réaliser ce glitch, déjà il ne vous faudra pas être l'hôte de la partie. Donc celui qui va réaliser la manipulation ne doit surtout pas être l'hôte de la partie. Et une fois que cela est fait, vous allez simplement vous rendre dans le Los Santos Custom, devant le Los Santos Custom, avec une voiture balisée. Une fois que la voiture est balisée, vous allez simplement demander à un de vos amis de monter en tant que passager. Vous allez bien régler votre paramètre de accès véhicule en tant que passager. Donc vous réglez bien ça en tant que passager. Et vous allez tout simplement demander à votre pote de sélectionner un des personnages du solo. Je vous conseille de sélectionner Franklin parce que avec Franklin ça marche mieux. Et vous allez tout simplement lui demander de rester sur le menu où il y a écrit quitter. Et une fois qu'il est sur le menu quitter, vous allez simplement rentrer dans le Los Santos Custom. Quand vous allez rentrer dans le Los Santos Custom, vous n'allez appuyer sur rien du tout. Vous allez pouvoir voir que votre pote ne sera pas dans la voiture. Vous allez tout simplement faire start marché Xbox Game ou PS Store et vous allez tout simplement attendre que le marché Xbox Game charge. Si jamais le chargement est infini, vous n'avez plus qu'à demander à votre ami qui vous invite. Et s'il n'est pas infini, normalement vous ne devez surtout pas être l'hôte de la partie. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur B, vous appuyez sur B et normalement ça va vous remettre dans la partie. Donc quand vous allez retomber dans la partie, alors il y a deux possibilités. Alors soit vous allez tomber sur la route avec votre voiture, ou alors vous allez spawn à pied dans le Los Santos Custom. Peu importe, les deux manipulations marchent. Si vous tombez dans le Los Santos Custom à pied, vous sortez et vous allez chercher votre voiture. Et si jamais vous spawnez comme moi, c'est à dire dehors, vous allez simplement attendre à peu près une dizaine voire une vingtaine de secondes. De toute manière, plus vous allez attendre, plus il y aura de voitures dans le parking. Et une fois que vous avez attendu, vous allez tout simplement faire un petit tour du Los Santos Custom. Vous allez revenir dans le parking par l'entrée qui se trouve juste derrière. Donc on va y aller tranquillou. Hop. Et quand vous allez retomber dans le parking, comme vous le voyez actuellement, il y a des voitures qui ont spawn. Là vous dites mais what? D'où viennent ces voitures? Et bah c'est le petit glitch. En réalité, votre pote qui est dans la voiture, qui est encore dans la voiture dans le Los Santos Custom, empêche que la voiture disparaisse et du coup fait spawn énormément de voitures. Donc comme je l'ai dit, plus vous allez attendre après le chargement, plus il y aura de voitures. Donc c'est vraiment assez what the fuck et c'est vraiment un glitch qui est certes inutile, mais c'est un glitch que je vous conseille de faire. Vous le faites avec des potes et après vous invitez d'autres personnes dans votre partie et vous leur dites de venir au Los Santos Custom et ils vont pouvoir voir qu'il y aura énormément de voitures. Ils vont se dire mais what the fuck. Et du coup voilà, donc j'espère vraiment que ce petit glitch vous aura plu. Il est vraiment très très fun. Au passage, une fois que vous êtes retombé dans la partie, que toutes les voitures ont spawn, vous pouvez demander à votre pote qui est dans le LS Custom de quitter le message. Normalement il devrait réapparaître devant le Los Santos Custom comme vous le voyez actuellement. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que ce petit glitch fun vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à liker et à lâcher un maximum de commentaires. Partagez-le sur Facebook et Twitter afin que vos amis puissent délirer à leur tour à faire spawn énormément de véhicules de civils. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao, bye bye tout le monde.
Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.